Absolument splendide, c'était des tableaux très délicats, colorés, c'est un travail absolument fantastique et c'est une performance, c'est absolument magnifique. J'ai été émerveillée, je m'attendais évidemment à quelque chose de beau, mais pas aussi raffiné, aussi spectaculaire, je ne peux pas dire. Il y a la finesse, il y a la droiture, la souplesse, et il y a tout. On peut pas dire. Je suis vraiment émerveillée. Et je conseille à tous les gens qui hésitent d'y aller, parce que vraiment, ça vaut le coup. C'est magnifique. Ce qui m'a étonnée aussi beaucoup, c'est la 3D en arrière-plan de la scène. Et ça, c'est magique. Moi, j'ai mis beaucoup de temps pour comprendre comment les artistes faisaient pour sauter derrière ou avancer devant. Et ça, j'ai jamais vu ça. Ça, c'était magnifique. Ah, j'étais enchanté. C'est un spectacle divertissant, plein de charme. Les costumes sont splendides, la mise en scène excellente. Le rythme est saccadé, mais parfait. Il n'y a pas un bras qui va plus vite que l'autre. J'étais époustouflé. Bravo, bravo au metteur en scène et au directeur de la production. C'est parfait, merci. 观众对神韵出神入化的艺术境界赞叹不已，同时也被神韵的精神内涵所感动，盛赞神韵可以改变人心，让人变得更好。 Mais écoutez, c'est très, très spirituel et j'ai bien aimé ce rappel de spiritualité, de religion. Mais c'est vrai que la compassion, l'amitié, tout ça, je pense que ça ressort dans le spectacle. Il y a beaucoup d'osmose. Oui, on a besoin de cette compassion dans ce temps moderne. Voilà, et la vie n'est parfois pas très facile et c'est bien de revenir à des valeurs. Non seulement le changement, mais le changement qu'il faut que nous fassions. Ce n'est pas un changement sur la scène et on repart. C'est une connexion qu'il faut comprendre, mais garder dans son esprit pour essayer justement d'avancer et d'avancer dans le bon sens, et non pas tout ce que l'on voit aujourd'hui qui est, on va dire, en général, très agité. Ça nous amène à réfléchir, c'est une réflexion sur le temps, sur nos temps modernes. On ressort quand même de là différent. Et je ressors de là différente, bien entendu. 新唐人电视台记者任静、赵嘉林、法国土伦采访报道。